Quand on arrive dans la rue Albert Camus de Chaumont, notre regard est tout de suite attiré vers le mur de l'ancienne piscine. Une fresque colorée recouvre désormais les murs vieillis. Des animaux aquatiques flottent, des graffitis s'exposent et les sports des Jeux Olympiques se découvrent. Concentrés sur leur œuvre, les membres de l'association Les Murmures apportent les derniers détails à leur création, commencée il y a 2 jours. Ce projet élaboré avec la mairie doit être fin prêt pour le passage de la flamme olympique le 28 juin. Le but, c'est que la flamme olympique va passer sur cette rue et de pouvoir embellir ce bâtiment qui était vraiment tagué, des écritures des jeunes, donc on l'embellit un peu. L'association, créée cette année, a pour but de développer l'art urbain dans la ville. Pour cette fresque, les membres ont chacun mis leur spécialité à contribution. J'ai réalisé aussi une méduse qui est juste derrière. Et enfin, je réaliserai une tortue ici, donc pareil qu'en tracé. Et moi, j'utilise exclusivement de l'acrylique, la peinture acrylique, que je travaille au pinceau. On a voulu représenter une baleine géante qui fait notre base en fait de composition, sur laquelle on est venu intégrer les éléments sportifs et animaliers, et en faisant un petit clin d'œil léger aux Jeux Olympiques, en reprenant plus ou moins de manière abstraite la silhouette des anneaux. La piscine restera couverte de ces dessins et graffitis colorés pendant au moins 3 ans.